Je me souviens du type qui sur Internet essayait comme un homme seul sur sa planète de transporter un cercueil hors d'une église sans guide. Sans trace et sans balise. Et je me disais que s'il était politicien, il aurait trouvé d'autres porteurs pour lui donner la main. Et accoucher d'une loi sur l'euthanasie au terme de la succession de deux gouvernements finis. 94 lobotomisés et banales. Contre 22 encore capables de poser et porter un jugement moral. Heureusement, et c'est tout à l'honneur qu'au PLQ, plus d'une vingtaine de députés ont eu du cœur. Se sont moralement opposés au projet de mourir dans la dignité. Possiblement fait pour nous soulager. C'est tellement difficile de vivre sa vie jusqu'au bout. Sans donner le pouvoir à un médecin de nous couper le cou. Et c'est ainsi qu'ailleurs Boko Haram ont abattu 45 hommes et femmes. Périphérie de Maïdougouri, dans le sud-ouest du Nigeria, tout comme le fou dans une université d'État. Un étudiant et en a blessé trois. Que de sans autobus sur le pont Champlain assureront le service pour compenser le train. Tandis que les Chinois de copier l'industrie sans contrat en
défiant les règles de l'Union européenne pour des composants photovoltaïques sans s'en donner la peine. Tandis qu'à Montréal, ex-argentier de Gérald Tremblay, ancien ministre libéral, l'ancien maire, avant l'ancien député libéral de Nicodème, devenu nouveau maire de Montréal. Bernard Trépanier a aussi financé le Parti libéral. C'est sans bon sens, monsieur, 3%. C'est sans bon sens, monsieur, 3%. 3%, 3%. Et que l'ancien ministre Tony Tomassi, sorti du Parlement, a plaidé coupable à une accusation de fraude face au gouvernement. Pour éviter que ne soit dévoilé son vécu et les éléments de preuve menant au PLQ. Loin au-delà des mers au Moyen-Orient, Israël va construire 1500 nouveaux logements. En Cisjordanie, en zone annexée de Jérusalem-Est occupé. De retour au Québec, le réseau de la santé verra de nouveau son budget très mal mené. Vendredi de deuil et de déception, vendredi de cercueil et de malversation. Thank you.
père de Bruges sous les mycéliums de la moisissure humide des projets des hommes. Le retour amer de 4 années d'injustice. De restrictions sévères pour donner aux complices l'argent durement gagné, arraché aux citoyens de la classe moyenne, redistribué dans les mains des amis que Couillard aime. Et lui, le Yagar au regard distrait, ne regarde pas ce que sa main gauche fait lorsque la droite manipule les rouages du système. Long, 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 le deuil. Long, 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 le deuil. Long, 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 le deuil. Long, le deuil. Citoyen moyen, laissé seul sur le seuil de sa maison, entre les élections, comme des enfants esselés, comme des êtres déracinés, fleurissant tous les linteaux du monde, tous les frontaux de crypte familiale, tous les colombariums, tous les enfeux, toutes les grilles d'enclos ancestraux, tous les socles de lampe routine, petite lumière instinctive, vacillante, sous le fardeau des fleurs et des fougères, de tous les cimetières. Je me souviens du type qui sur Internet essayait comme un homme seul sur sa planète de transporter un cercueil hors d'une église, sans guide, sans tracé, sans balise. Je me disais que s'il était politicien, il aurait pu encore faire récemment carrière dans un Québec récemment ancien.